T'envisages euh, éventuellement un jour d'habiter de, de, à Mada euh, si, si t'arrives voilà, à te concentrer à 100% sur Zamtenkas ou... Ah, ça c'est la question compliquée. Parce qu'on adore, j'adore Madagascar. Austin, c'est pareil. Euh, la femme d'Austin, elle est malgache. Et euh, ils habitent aux États-Unis pour l'instant, mais je sais qu'ils parlent malgache avec leurs enfants, etc. Et du coup, pour eux aussi, j'imagine que peut-être il voudra bien aussi, je suis pas sûr, mais pour moi c'est. Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, nous, ça nous encourage à continuer à créer des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Peyton Soch. Merci d'avoir accepté notre invitation et franchement, je suis grave content d'être avec toi là aujourd'hui pour discuter. Yeah, yeah, Moi aussi, je suis très content. Franchement, ça fait plaisir de voir des, des podcasts entre guillemets mal à Donc franchement, également, ça fait plaisir pour moi. Yes. Alors, c'est vrai que t'es euh Principalement connu euh, du coup, euh, comme euh, un des euh, Fazam Tenkas, euh, moi je voulais savoir aujourd'hui euh, qui est vraiment Peyton. Qui est vraiment Peyton? Oh là là, Ah, ça c'est une bonne question. Ah, c'est une question qu'on peut poser, euh, on devrait se poser tous les jours peut-être à, à ouais. soi. <laughs> qui qui suis-je, quoi? <laughs> euh, pour <laughs> moi, je dirais quelqu'un. Euh de bienveillant, j'ai beaucoup d'énergie donc euh, je fais beaucoup de projets, euh, quelqu'un de sportif, euh, j'aime bien faire des choses donc je je reste pas euh, sans rien faire en fait longtemps, je sais pas comment, actif peut-être on peut dire en général, euh, quelqu'un multi, multiculturel, euh, ça c'est peut-être ouais une bonne réponse multiculturel, euh, bilingue, euh, ouais. Je pense que je dirais ça. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu cherchais, mais. Ouais, 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 ça, ça, je pense que c'est un très bon début de réponse. Euh, est-ce que, aujourd'hui, tu peux peut-être nous dire est-ce que tu es créateur de contenu à plein temps ou est-ce que tu as euh, un job euh, comme un CDI ou, je ne sais pas, en freelance Oui, ouais, ouais, effectivement, je suis en CDI aussi en même temps. Euh, du coup, ouais, malheureusement, comme les vues. Et euh, clics sont pas, c'est monétisable quand même à Madagascar, mais très peu. Donc pour l'instant, on peut pas vivre, euh, je peux pas vivre sur ça. Mais du coup, je suis on s'est dit, je, je travaille aux, également dans les réseaux sociaux pour une entreprise française. Donc je fais et ça on s'est dit et euh, bah, moi-même pour euh, la page euh, Vasamtengas. Ok, donc en fait, euh, la création de contenu, c'est vraiment euh, ta passion, quoi. Ah oui, oui, euh, peut-être, je dirais, c'est vraiment plutôt pour moi la culture et les langues qui est ma passion. Et du coup, comme c'est une mmh. façon de pouvoir faire ça tous les jours, c'est-à-dire euh, parler de Madagascar, parler en malgache, euh, partager euh, des histoires ou des moments avec des, des amis malgaches, etc. C'est vraiment ça, en fait, ma passion. C'est juste, on va dire, euh, l'outil qui me permet de faire ça, en fait, le la création de contenu parce que la création en, en elle-même, le montage, ça me plaît pas. Après de, de filmer, de faire les vidéos, ça j'aime bien. Mais oui, c'est vraiment la culture et les, et la langue ou les langues en général qui qui me passionnent quoi. D'accord. Alors, tu disais euh, au début quand tu te quand tu as répondu à, à la première question que j'ai posée que tu avais euh, beaucoup de projets, c'est Parmi ceux que tu peux partager, c'est quoi un petit peu là, les, les les projets de Python là qui sont sur le feu en ce ouais. moment Alors c'est voilà c'est le premier projet toujours c'est Vazemtenga ça c'est le projet le plus, plus grand après à l'intérieur de Vazemtenga, on a quand même plusieurs projets en même temps euh, aussi. Euh, C'est-à-dire, nous aussi, on fait un podcast, euh, on, a, on fait des collabs souvent avec des entreprises ou des petites euh, associations, etc. Sinon, à part, euh, euh, des projets personnels plutôt, par exemple, là, à la maison, on a des travaux, donc euh, moi, je fais pas mal des, des travaux moi-même, donc ça, même si c'est pas un projet qui va générer de, de l'argent ou quoi, j'appelle ça quand même un projet euh, que je fais aussi. Et, et sinon pour le, pour le travail aussi en fait il euh, euh, y, y a des petits projets aussi que je fais à côté en fait de, de mon travail euh, pour aussi essayer de, de générer un peu de, de finance quoi d'accord et effectivement après euh, tu vois je pense tu, tu, le, tu dois le savoir très bien en tant que créateur de contenu comme tu disais c'est un petit peu compliqué de monétiser notamment euh, voilà euh, même par rapport aux vues qu'on génère ou, ou au nombre de clics. Mmh. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu, tu arrives quand même, malgré ça, à générer quand même euh, quelque chose qui peut servir à faire grandir justement euh, le projet Vazam Tengas Ou, ou est-ce que tu tu dois sortir de ta poche euh, à chaque fois pour euh, initier des projets Alors, le, le plus, euh, la partie plus intéressante pour l'instant, c'est vraiment des, des collab, euh, collaborations avec des entreprises euh, euh, malgaches euh, qui veulent mettre en avant leurs produits euh, ou leurs services. Donc, ça va être vraiment ça qui est, qui est le plus intér intéressant pour l'instant. Mais ça commence et depuis pas très longtemps, en plus de trois mois, ou euh, je sais pas si c'était Facebook qui a changé de de politique ou, ou autre chose, mais on a commencé à, à quand même générer un petit peu sur euh, sur des vues. Euh, c'est très peu pour l'instant, mais euh, mais euh, c'est mieux que zéro quoi. c'était toujours zéro depuis ouais, euh, ouais. des années, ce qui est dommage parce qu'on a on a bientôt on a presque 500 000 followers sur euh, Facebook, ce qui est euh, bah, si, si notre audience, si tu veux, était aux États-Unis ou euh, un pays européen, par exemple, je pense qu'on pourrait vivre sur euh, sur ça, quoi. Ça, ça pourrait générer assez de juste euh, de vivre sur sur je sais. Mais comme les vues sont à Madagascar, malheureusement, euh, c'est c'est différent, quoi. Mais malgré ça, ça commence un petit peu. Mais ça va être surtout des collabs, euh, des euh, placements de produits, etc. où on peut euh, on peut quand même euh, Améliorer et, et grandir le projet. C'était compliqué pour toi euh, au début de, de pricer euh, voilà, justement ton offre euh, pour, pour ces collabs-là Genre la première fois par exemple qu'une entreprise t'a contacté, euh, ça, ça s'est passé comment Tu t'es dit quoi euh, ah, Comment je vais faire Oui, <laughs> oui bah, en fait, ouais, j'avoue, c'est un petit peu pas forcément compliqué, mais c'est un peu dur à savoir combien justement il faut mettre en fait parce que les gens. Euh, comme c'était en plus, euh, on a commencé à huit ans, c'était plus nouveau. Euh, c'était peut-être à y cinq ans, on a fait notre premier euh, placement de, de produit entre guillemets. C'était dur à calculer en fait combien ça, ça valait en fait. Les gens ils pensent que c'est juste le temps. Euh, si par exemple tu t as, t as une entreprise de t shirt et moi je dois mettre le t-shirt, je fais une vidéo, j'explique un peu ce que c'est l'entreprise, euh, je mets le lien dans la description, etc. Les gens, des fois, euh, pensent que c'est juste le temps de faire ça qui doivent donner le prix. Mais c'est aussi, en fait, le temps de toutes ces années à accumuler les followers. Et c'est vraiment ça, en fait, en faisant des placements de produits ou des collabs euh, plusieurs fois pendant deux, trois ans. C'est sur ça, en fait, que vraiment, je me suis rendu compte que si c'est juste, si je vais juste me payer, par exemple, 15 euros de, de l'heure, ça vaut. Ça vaut plus le coup en fait pour moi parce que c'est un mmh. travail qui date depuis des années et c'est vraiment là-dedans on en fait de la valeur. Donc euh, de plus en plus euh, les entreprises et les gens avec qui on travaille ils comprennent ça en fait. Donc euh, donc euh, c'est plus compliqué en fait maintenant. Ça vient plus naturellement en fait maintenant. C'est une bonne nouvelle pour je pense tous les créateurs de, de contenu qui sont en tout cas en relation avec des entreprises sur sur Oui franchement. Aujourd'hui, ça se passe comment, par exemple, euh, ta semaine typique Parce que tu vois, as ton travail, tu as Vazam Tengas qui comme tu dis, est quand même un gros projet, euh, que ce soit pour créer euh, des contenus à vidéo, des podcasts ou, ou du texte. Et euh, en plus de ça, donc, comme tu disais, tu aimes le sport, donc j'imagine que tu en pratiques un petit peu. Tu as le temps encore un peu pour toi, euh, de temps en temps, voilà, pour te... Te ressourcer pour passer du temps avec la famille, les amis, avec tes proches? Ouais, euh, là c'est une très bonne question aussi. Ça, c'est vraiment une question de, de la vie, quoi. Pourquoi? Euh pourquoi, pas, pas forcément pourquoi on est là, mais c'est si je fais que des projets pour les autres euh, ou pour euh, gagner de l'argent, euh, justement, est-ce que, enfin, comment on fait pour euh, trouver du temps pour, euh, pour soi? En fait, ce qui est bien de mon côté, enfin, de, de mon cas, c'est que euh, mon travail, mon, mon CDI, je veux dire, euh, mon, dans mon contrat, en fait, je suis en télétravail à 100%. Donc, je travaille à la maison euh, 100%. Euh, donc, c'est plus facile pour moi de bien euh, gérer mon temps, mon emploi du temps, pour que je puisse aussi justement profiter, euh, pas juste euh, du temps pour moi, mais pour euh, le reste des projets euh, dans ma vie, quoi, pour la famille, etc. Euh, imaginons, j'ai euh, un oncle qui euh, qui nous rend visite demain. Euh, je vais pouvoir en fait euh, soit décaler des réunions, soit travailler un peu plus le matin pour qu'après, l'après-midi, euh, on a du temps enfin j'ai du temps pour, euh, pour passer avec la famille par exemple donc c'est un peu comme ça que je gère mon emploi du temps bien évidemment je travaille euh, 35 heures par semaine comme euh, comme euh, voilà dans la, dans la loi mais je peux plus facilement gérer ça pour euh, que je puisse en fait profiter euh, du reste euh, des choses que j'ai à faire quoi et moi j'ai j'ai remarqué hein, du coup là que que avais une, une alliance euh, à la main euh, j'imagine du coup que tu, 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 es engagé, enfin tu, tu, es, tu, tu as une, une partenaire de vie. Euh... Oui, oui, je suis marié. Ouais. ouais. <laughs> <laughs> c'est vrai que c'est quelque chose qu'on. Bon, j'imagine que que c'est un choix parce que c'est que cas c'est, c'est plus ton projet à toi, j'imagine que son projet à elle, mais c'est vrai que tu, tu la mets euh, peut-être pas forcément. Euh, en avant non plus sur 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 les réseaux c'est c'est un réel choix ou c'est juste parce que éventuellement peut-être que ça l'intéresse pas trop et voilà ou est-ce que tu veux d'une certaine manière la protéger tu ouais je vois ce que tu veux dire ouais franchement c'est un peu les deux là premièrement quand j'étais en couple enfin on se mettait en couple avec avec ma femme moi personnellement je voulais pas je voulais pas euh, la, la, mettre dans les vidéos tout de suite parce que il euh, y avait pas de raison, en fait, pour moi. C'était plutôt le, 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 visage de la page, c'était plutôt moi et Tine et, et Austin. Et du coup, euh, bon, pour jouer quelques scènes drôles vite fait, on a, on a dû peut-être tourner euh, une ou deux vidéos où elle était euh, dedans, mais vite fait. La page Vazamtengas, en fait, c'est pas un truc euh, où je fais des vlogs sur ma vie si tu veux c'était jamais trop euh, personnel c'était plutôt de parler euh, soit de Madagascar en général des choses qui se passent à Madagascar ou des idées un peu pas forcément philosophes mais un petit peu quand même tu vois où je pose des questions pourquoi euh, la pauvreté existe par exemple je, je dis n'importe quoi mais euh, et, et c'est plutôt comme ça au lieu de parler euh, de ma vie personnelle qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans ma vie c'était plutôt euh, du côté euh, voilà Madagascar quoi donc c'était aussi pour ça mais, mais j'avoue que même euh, nous on est un peu euh, même ma conjointe plus que moi discret on est, on est plutôt discret en fait euh, dans notre couple donc euh, on n'a pas on n'a jamais eu forcément envie euh, de partager ça sur les réseaux donc euh, ouais c'est un peu les deux quoi les deux choses en même temps ah. Peut-être, c'est qu'on parle de, de Vazam Tengas, mais c'est, je pense, intéressant pour l'audience que tu puisses peut-être me partager un petit peu la, la toute jeunesse du projet, vraiment, peut-être les quelques mois et les avant et peut-être qui ont précédé le, le lancement du projet. Oui, bien sûr. Euh, alors, moi et Austin, euh, c'est un peu marrant parce qu'on vient de l'Utah, tous les deux, mais on ne s'est jamais connus dans l'Utah. Tous les deux, en fait, on était en mission humanitaire euh, à Madagascar euh, au même moment. Et c'est à Madagascar, en fait, qu'on s'est rencontrés. Euh, et du coup, qu'on a fini la mission et on est rentré, Comme on habitait tous les deux dans l'Utah, euh, on avait la, euh, la possibilité de se voir, quoi. Donc, on a continué de se voir. Tous les deux, on a adoré, en fait, la langue. Euh, euh, malgache, la culture, le pays, euh, les, euh, les gens, etc. Donc, on voulait toujours continuer à, à trouver un moyen de de pas oublier ce lien, tu vois. Et du coup, euh, c'était une idée que je pense que ça venait plutôt de moi au début, dans le sens où euh, c'est moi qui a commencé de parler. Euh, avec Austin, euh, genre, vas-y, il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on fasse une vidéo, on se filme, on parle malgache, ou euh, juste vraiment pour la raison de pouvoir continuer à pratiquer le malgache, etc. Et pas du tout avec l'idée de, de lancer une page, tu vois. Donc, on a fait une vidéo, euh, la première vidéo qu'on a fait, c'était en 2015. On a posté sur euh, Facebook, juste sur euh, notre page, euh, je pense que c'était peut-être la page d'Austin euh, personnelle. Et il y avait une autre page euh, malgache euh, qui s'appelle Malagas V&O qui a partagé la vidéo et on a eu euh, pas un truc de ouf non plus mais enfin pour 2015 c'était pas trop mal le lendemain on avait genre 10 000 vues un truc comme ça et du coup on était oh oui. on était choqué on s'est dit vas-y euh, qu'on fasse quelque chose donc on a créé directement une page et euh, on a continué du coup euh, petit à petit euh, à faire des vidéos euh, on malgache, quoi. Ça a commencé euh, simplement comme ça. Ah, C'est excellent. Est-ce que aujourd'hui, tu sais s'il y a euh, des, des personnes, peu importe euh, le, le pays d'où ils proviennent, euh, en dehors de Madagascar, qui ont euh, un concept similaire au vôtre Genre, tu sais, j'ai n'importe quoi, euh, euh, colombien, Mtingas, tu vois, ou un truc comme ouais. ça est-ce que tu sais, c'est exactement. Oui, franchement, c'est ouais, une bonne question et ça, ça m'intrigue ça un peu aussi. J'ai trouvé euh, plusieurs fois euh, des gens qui faisaient ça. Il y avait une fois, il y avait un, un, un vazar, du vazal, bah, quelqu'un euh, d'occidental, je ne sais pas de quel pays euh, euh, étaient ses, ses origines, mais euh, qui habitait en Ghana et qui parlait Thuy, du coup, euh, une, une dialecte euh, de Ghana. Et la vidéo que j'ai vue, par contre, il chantait. Donc il chantait, il était habillé un peu en mode euh, euh, traditionnel euh, ghanien. Et il chantait en Tui. Et euh, par contre, je n'ai pas vérifié si, si c'était juste une vidéo qu'il a partagée ou s'il si avait une page. Mais sinon, il y a mmh. un groupe aussi en, en Thaïlande. Un peu pareil, c'est des gens... Euh, de, des États-Unis, c'était des Américains. Il y avait trois ou quatre mm -hmm. euh, qui parlaient euh, bah, du coup la langue de Thaïlande, c'est quoi C'est Thaïlandais euh, ou un truc comme ça, je sais plus. Et, euh, mm -hmm. et ils chantaient aussi. C'était un groupe de musiciens. Et eux, par contre, c'était. Là, ça fait quelques années, je n'ai pas suivi. Mais à l'époque, c'était vraiment une grande réussite. Ils faisaient des tournages, euh, des spectacles, fin, des concerts et tout en Thaïlande. Euh, Juste parce que bon, ouais. ils étaient blancs et ils parlaient talenté, quoi. C'était un peu la <laughs> même idée, donc je suis sûr qu'il y en a plein qui le, qui le font. Mm -hmm. Et c'est quoi le, tu penses, le, le next step euh, pour Vazam Tengas en termes de. de c'est quoi la dimension que vous avez envie de prendre euh, et les choses que vous avez envie de, de mettre en place? Genre, par exemple, moi je me pose la question euh, éventuellement, euh, est-ce que vous avez déjà. Penser, par exemple, je sais pas, à créer une app, par exemple, un peu comme Babel, peut-être pour euh, apprendre la langue, tu vois, ou, euh, ou quelque chose comme ça. Ouais. Euh, alors, euh, moi personnellement, j'ai déjà fait des cours malgaches. J'ai donné des cours malgaches. Euh, mm -hmm. et ça marchait plutôt pas mal. Euh, pardon. Après, une appli, euh, on n'a pas forcément le savoir-faire pour ça, mais c'est une bonne idée. C'est jamais. Euh, on dit jamais non à des trucs comme ça pour l'avenir. Pour moi personnellement, pour l'instant ça sera de pouvoir justement euh, monétiser assez la page euh, Vazam Tengas, que ce soit par des placements de produits, etc., euh, ou euh, directement euh, par des, des vues, euh, la monétisation sur des, des réseaux. Ça sera pour moi le, la next step en fait, pour Vazam Tengas, pour que nous deux, en fait, on puisse arrêter nos travaux, euh, euh, quotidien et pouvoir se, se concentrer sur Vasantengas. Après pour être plus spécifique, dans les projets vraiment euh, on est très ouvert on fait plein de choses différentes, si tu suis la page on fait plein de vidéos, de types de vidéos différentes, des fois c'est des podcasts des fois c'est plutôt des vlogs euh, des fois c'est des, des vidéos avec des vrais cadreurs, un monteur etc, donc ça fait plus quali euh, donc vraiment sur le type de contenu, le thème est Madagascar et après le reste, franchement, on est ouvert. Mais est, ça sera ça la next step du coup euh, de, de pouvoir se concentrer. On va être sûr, 100 sur 100% euh, sur sur Tengas. D'accord. Ok. 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 Donc en fait, euh, la période, on va dire, dans dans laquelle tu es aujourd'hui avec le CDI, c'est vraiment, on va dire, une une transition, une passerelle en fait que tu espères sera juste. Euh, euh, bon voilà, j'espère que j'imagine que tu espères que ça va pas durer dix ans non plus et que tu vas pouvoir en fait voilà te concentrer sur euh, sur Wassantegas. OK. Ouais, idéalement, idéalement. Après euh, bon, je j'aime ouais. bien mon travail aussi, enfin ça me c'est pas non plus mon travail de rêve mais j'aime bien et ça se passe bien mm -hmm. donc euh, mais oui, je idéalement si je peux euh, si je peux ne pas rester là toute ma vie euh, ça sera ça sera idéal ça sera l'idéal quoi. <laughs> et tu envisages euh, éventuellement un jour de D'habiter à Madagascar euh, si, si tu arrives voilà, à te concentrer à 100% sur WhatsApp c'est ou... Ah, ça, c'est la question compliquée. Ce qu'on adore, j'adore Madagascar. Austin, c'est pareil. Euh, la femme d'Austin, elle est malgache. Et euh, ils habitent aux États-Unis pour l'instant, mais je sais qu'ils parlent malgache avec leurs enfants, etc. Et du coup, pour eux aussi, j'imagine que, que peut-être il voudra bien aussi, je suis pas sûr, mais pour moi, c'est. C'est quand même très spécial, la culture malgache, tu vois. Dans, dans le bon sens. Genre vraiment, c'est mmh. très riche. Et justement, en fait, c'est très présent, en fait. Tu le sens directement, en fait, dans le pays. C'est pas, euh, c'est très dépaysant, en fait, pour, euh, pour quelqu'un d'un de, de, de pays occidental. C'est vraiment dépaysant, en fait, aller à Madagascar. Et du coup, pour les vacances ou même pour rester quelques mois, c'est génial. Mais quand tu penses à vivre ta vie, et que la réalité commence à, à à vraiment se se solidifier dans ta vie, c'est-à-dire tout ce qu'il y a euh, sécurité sociale, euh, la santé, euh, euh, même euh, même les loisirs comme euh, aller au cinéma ou des restaurants, etc. Il y a beaucoup de choses en fait que qui sont très différentes ou même qui n'existent pas à Madagascar. De quel on a l'habitude d'avoir en fait en France ou aux États-Unis. Donc c'est vraiment sur ça, et même avec ma conjointe, que, qui est un peu compliqué pour nous. Quoi. Après, idéalement pour moi, si je peux passer quelques mois par an à Madagascar, ça je veux bien. Mais habiter à 100%, mmh. je pense, pour l'instant, je pense que ça reste encore un peu compliqué pour moi. Si tu devais choisir. Euh un aspect de la vie à Madagascar qui serait euh, le, le principal blocage, que ce soit, euh, comme tu dis, la sécurité, le manque de loisirs, euh, peut-être le manque d'infrastructures, ce serait quoi vraiment, tu penses, le, le plus gros challenge à surmonter euh Ouais, ah, ah ça, c'est une bonne question. Je pense peut-être, comme tu as dit, c'est peut-être le manque d'infrastructures en général qui, qui bloque un peu le, le plus. Parce qu'en fait, ce truc-là, c'est pas juste que tu n'as pas. Euh, toutes les mêmes choses, mais en fait tellement c'est présent dans ta vie euh, en France aux États-Unis que ça fait une grande partie en fait de la culture aussi. Comment tu passes ton temps libre, etc. Quand il y a tous les choix autour. Ça change tout en fait dans ta vie euh, quotidiennement. Et du coup, à Madagascar, comme euh, pour les petites choses, même pour aller faire des courses ou pour. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas des supermarchés à Madagascar, bien sûr, mais tout, même dans les petites choses comme ça, c'est différent, quoi. Donc, je pense pour moi, ça sera vraiment l'accumulation de sous, tout, toutes ces petites choses-là dans l'infrastructure euh, du pays qui est. Euh, qui est un peu, voilà, qui bloque hein, en fait le plus pour, pour pouvoir vivre sur le long terme, quoi. Je vais rebondir un petit peu sur euh, justement, tu parlais de, de loisirs. Mm -hmm. C'est quoi, toi, tes, tes loisirs à toi? Genre, c'est quoi qui te, qui te fait kiffer? Et vraiment, quand tu, quand tu fais ces choses-là, tu te dis, waouh, franchement, euh, content d'être sur Terre, par-ci. Ouais. Euh, alors. Pour moi, j'ai grandi dans l'Utah qui est un état aux États-Unis euh, avec beaucoup de nature en fait, il y a beaucoup de montagnes, des lacs, des forêts, tout ça, des rivières et du coup euh, franchement même mon adolescence, il y avait pas du tout la, le stade euh, d'aller sortir en boîte de nuit ou bo aller boire euh, tu vois des THB avec des amis et tout, Ça ça faisait pas mmh. du tout partie de ma vie en fait de ma adolescence, c'était <laughs> plutôt aller faire à l'escalade ou aller faire du camping ou aller euh, euh, aller faire du sport euh, sur l'eau genre ski sur l'eau ou même ski de neige etc donc vraiment tout ça c'est 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 un kiff pour moi pouvoir aller courir pouvoir donc dans ce côté là à part les sports de, de neige, bien évidemment, c'est faisable à Madagascar. Tu vois, il y a des montagnes, il y a, des, mmh, mmh. Il y a la nature extrêmement euh, belle, il y a les plages en plus euh, aussi que que j'adore. Ça sera du coup plutôt le côté justement. Euh, après, ça dépend de la ville parce qu'à Tana, il y, a beau, il y a beaucoup de restaurants. Mais euh, mmh. voilà, ce côté d'aller au resto, euh, ce côté euh, euh, d'aller au cinéma ou d'aller faire du shopping dans les magasins, euh, comme HM par exemple, tu vois, un truc une chaîne internationale, c'est bête de dire ça comme ça, mais, euh, mais quand on vit pendant longtemps, des choses comme ça en fait nous manquent. Et, euh, et aussi, faut qu'on parle de, de, des routes à Madagascar, tu vois, c'est vraiment très présent. Le, le manque de, d'infrastructures et, euh, de, de routes, en fait, à Amada, que ça soit juste dans une ville ou même entre les villes, c'est vraiment très dur, en fait, de, de voyager en voiture, en fait. Donc, c'est ça aussi qui est, euh, qui, qui change, quoi, qui est, qui est un peu compliqué, qui, qui bloque aussi les loisirs. Parce que des fois, t'as envie de faire un truc qui est à une heure et à Amada, ouais. c'est, <laughs> c'est à quatre heures, en fait, ou même, ou même la route est découpée, ouais. donc tu peux pas y aller. Ouais. Donc euh, <laughs> voilà quoi, ouais, ça je me rappelle le jour à Amada où euh, euh, KFC a débarqué, ouais. tu vois, genre à, à l'étranger, tu vois, bon, il euh, y a un KFC qui s'ouvre, euh, c'est pas, pas non plus la fête ouais. de ouf, mais par contre, à Amada, je crois que pour ceux qui auront. Bon, ouais, je pas, euh, bon je ne sais pas, peut-être, je ne vais pas mettre de tranche d'âge, mais je pense que pour tous les, les jeunes, et même les moins jeunes, hein, je pense que vraiment ça a été un truc genre, waouh, wow, une chaîne internationale qui vient ouais. et tout, euh, pour que ça, ça change quoi. Ouais, ouais, euh... non, franchement, ouais, tu as raison, c'est un peu, j'allais dire bizarre, mais c'est peut-être plus intéressant en fait, vraiment, moi je ne fréquente pas du tout KFC, euh, même en France, mm -hmm. mais Amada, quand tu te dis, c'est un peu la seule chaîne internationale ça te donne envie, en fait. Je sais pas d'où ça vient cette envie, mais ça te donne envie d'y aller, quoi. Te dire ah c'est comme mm. euh, c'est mm. comme aux Etats-Unis, quoi, <laughs> ou c'est comme en France, tu vois. Ouais, c'est est, est est bizarre, non ça. Ça, ça tu t'en parlais tout à l'heure et d'ailleurs c'est le format qu'on utilise aujourd'hui. On est là en train de faire un podcast et tout. Euh, moi, je, je veux ça. C'était quoi qui qu'est-ce qui vous a motivé à, à vous lancer sur, euh, sur ce format-là. Et euh, -ce qui, comment ça s'est passé au début? Bon, je pense que vous avez l'avantage quand même d'être, euh, tu vois, euh, vous êtes des personnalités euh, publiques, tu vois, vous avez, euh, entre guillemets, vous ne sortez pas de nulle part, tu vois, c'est pas comme, entre guillemets, comme moi j'ai commencé, euh, c'est qui, c'est qui, je, tu vois. Euh, donc, on voit, ça se voit d'ailleurs avec les invités que vous avez, hein, c'est vraiment des, des personnes euh, vraiment. Euh, hyper intéressant, qui est une belle histoire et qui ont des communautés derrière qui sont très importantes. Mmh. Euh, tu peux nous dire un petit peu comment ça, ça s'est passé, ça s'est articulé? Oui, oui, bien sûr. Euh, franchement, la, je pense que la raison principale, c'était qu'on était, qu était euh, en fait, on essayait de trouver un moyen de, de recommencer à faire des vidéos ensemble avec Austin. Parce que, en fait, on a commencé en 2015 et en 2019, euh, pour des raisons, euh, pour plus des, des raisons, euh, plusieurs de raisons différentes, on a, on a plus trop pu en fait à faire des vidéos ensemble. Donc pendant 2-3 ans, euh, juste moi en fait, j'ai continué à faire des vidéos tout seul. Et à un bout de moment, on se parlait, on se disait, euh, ça sera cool en fait de pouvoir. Euh Faire des choses comme avant, mais moi j'habite en France et lui aux États-Unis. Donc, ça, c'était ça le problème principal, quoi. On peut pas se voir. Mais du coup, le podcast, je pense c'était l'idée de Austin, peut-être ça. Lui, il a essayé, même avant nous, de faire un truc tout seul. Il a fait une ou deux épisodes, je pense, il y a quelques années. Et, euh, et après, il a, il a arrêté. Mais euh, comme on a, on a eu un sponsor aussi pour le podcast, euh, on s'est dit, franchement, vas-y, on va se lancer sur ça parce que ça nous permet en fait à continuer à faire des choses ensemble à distance. C'était vraiment ça la raison euh, principale euh, entre moi et, et Austin. Et sinon, c'était aussi euh, un plaisir. En fait, c'est un plaisir de rencontrer des gens, tu vois. Comme tu dis, on a des invités hyper intéressants euh, et pas juste le nombre de followers qu'ils ont, mais des, des personnes inspirantes, tu vois. Donc euh, ouais. c'est ce côté-là aussi euh, qui est euh, très sympa, c'est de pas juste faire une vidéo tout seul, mais de pouvoir rencontrer des gens et parler avoir bah, des conversations, conversations pardon euh, intéressantes quoi. C'est pas un peu euh compliqué pour pour aussi avec le décalage horaire quand vous faites euh, des podcasts. Ouais, non mais attends, faut que je te dise, Austin, je sais pas <laughs> si il est un peu foufou ou quoi, mais d'habitude on fait nos vidéos à 13h en France et ça oui. fait 5 heures du matin chez lui. Et euh, du coup quand moi en fait, j'ai proposé l'idée, j'ai dit plutôt genre euh, je sais pas moi, un truc genre à 16h ici ou 17h, comme ça pour lui ça fait 9h euh, ou 8 heures du matin, tu vois qui est encore un peu tôt d'ailleurs, mais bon, c'est vivable, ouais. quoi. T'as le temps de prendre ton petit ouais, déjeuner, quoi. <laughs> ouais. Et lui, il m'a dit, non, franchement, 5 heures, ça me va, parce que comme ça, les enfants, euh, ils dorment encore. Et euh, du coup, la maison, elle est tranquille. De toute façon, lui, il va à la salle de sport à cette heure-là. Donc, si tu veux, les jours où on fait des podcasts, il fait un podcast, en fait, au lieu d'aller euh, au sport. Donc, ça tombe bien. Moi, c'est la pause déj, pendant la pause déj que je fais euh, des podcasts. Et lui, c'est... Euh, avant d'aller au boulot, quoi, très tôt le matin. Ah ouais, mais heureusement, ça n'empêche que tu t'es en télétravail parce que t'imagines si tu devais être au bureau et genre à 13h, t'es là, t'es obligé de te prendre un coin là dans ouais, le bureau ouais, non, mais... de la boîte. Genre. Exactement. Non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça c'est aussi un projet que je peux faire grâce au télétravail. Mmh. Ça, ça sera pas du tout faisable de faire ça au bureau quoi même euh, même ouais. euh, devant les autres collègues ou mon, mon responsable ouais. ça passe pas tu vois <laughs> ils sont, ouais. ils vont ouais, dire ouais. mais qu'est ce qu'il est <laughs> en train de faire là <laughs> Et tu disais, c'est ça, ça intéressant, tu disais que vous aviez euh, eu euh, la chance d'avoir un, un sponsor euh, dès le début quand vous avez lancé votre podcast. C'est euh, ça, ça passé comment Vous avez partagé un petit peu euh, l'idée de créer un podcast déjà à quelques entreprises, du coup, euh, dans l'espoir qu'il y ait un retour Ou est-ce que c'est eux qui vous ont contacté pour dire, euh, écoute, voilà, si vous avez un projet là, sur le feu, d'où euh, on arrive euh oui, euh, alors on travaillait déjà, c'est en fait c'est Tap Tap Send qui nous qui nous sponsor le le podcast. On travaille, je travaillais déjà un petit peu avec eux dans des des petits euh, entre guillemets placements de produits, euh, mm. et euh, qu'on a eu cette idée avec Austin. Je l'ai présenté en fait à Tap Tap Send et euh, pour faire un truc plus euh, régulier avec eux. Et euh, dès le début, ils ont ils ont beaucoup aimé l'idée. Donc c'est parti comme ça. On va déjà, on a déjà eu une petite, euh, on a déjà eu voilà une relation avec eux, une relation professionnelle. Mm -hmm. Et c'est comme ça en fait qu'on a pu présenter l'idée et, euh, et on a commencé comme ça quoi. Et du coup, du fait que vous avez ce sponsor, est-ce que euh, vous êtes euh, bon, je, je, je vais pas dire obligé, mais est-ce que vous êtes quand même de faire un certain nombre d'épisodes par mois tu vois de, à produire ou ça se passe oui c'est ça c'est ça exactement on a un nombre d'épisodes okay. qu'il faut qu'on sorte euh, par mois un nombre de vidéos sur euh, sur euh, des plateformes euh, des réseaux sociaux etc et on a aussi des des euh, des parties spécifiées dans le contrat si tu veux euh, qu'on met euh, pendant la vidéo et dans la description etc donc c'est quand même mmh. bien euh, ouais. c'est très cadré quoi c'est pas juste euh, ouais vas-y c'est tout cadré en fait ouais. les détails <rire> <rire> ok et c'est quoi euh, parce que je pense que sais le, le podcast c'est un c'est un média que je trouve quand même euh, super puissant dans le sens où comme tu disais c'est qu'il y a une discussion et L'un apprend de l'autre, enfin les uns apprennent des autres, et euh, il est fort possible aussi que parfois, justement, dans les podcasts, il y ait des, des discussions, euh, j'ai envie de dire euh, deep, enfin profondes un mmh. peu, tu vois, genre euh, c'est pas juste euh, on fait que gratter la surface. Et je veux savoir, c'était euh, pour toi, c'est c'est quel euh, épisode parmi tous ceux que vous avez fait pour l'instant qui t'a, on va dire le le plus marqué, le plus touché, où tu t'es dit waouh, là. Euh, Ouais. Ah, ça, c'est une bonne question. Attends juste deux secondes pour réfléchir. Ah, ouais, <laughs> euh, Après, il faut, faut que je dise d'abord que j'ai kiffé tout. Vraiment, c'était très cool. Oui, oui. Il oui. n'y avait pas quelqu'un où on a aimé moins que les autres. Mais je pense, pour moi ça peut-être ça serait euh, denise en fait qui m'a marqué un peu le, le plus pour moi, pour moi personnellement c'est des plus grands stars entre guillemets qu'on a eu sur le sur le podcast et pourtant elle était très euh, elle avait des pieds elle a des pieds sur terre tu vois si on peut dire ça genre vraiment elle est très sympa elle est très simple en fait et il euh, n'y avait pas du tout cet effet de waouh wow, je suis en train de parler avec un star c'était vraiment juste comme parler avec euh, une amie quoi et euh, elle a en fait elle a quand même partagé des détails de sa vie personnelle qui étaient cool euh, parce que ça c'est des choses que les gens ils connaissent pas d'habitude tu vois ils voient plutôt le côté artiste musicien euh, etc mais et, du coup euh, ouais franchement c'était elle elle a raconté un peu son parcours dans la musique. Et c'est ça aussi que je disais tout à l'heure, franchement, on, on rencontre des personnes inspirantes des fois, et vraiment, c'est... Enfin, des fois, même à chaque fois. Et c'est peut-être celle-là, du coup, qui m'a marqué le plus, où j'ai vraiment dit, waouh, c'était hyper cool ça. Et toi, tu... Selon toi, euh... comment déjà toi tu... Tu prépares, tu vois, tes podcasts, parce que du coup, c'est un média que tous les deux on, on, on aime bien et qu'on, j'ai envie de dire, enfin, qu'on vit euh, d'une certaine mm -hmm. manière, euh, même si on n'en vit pas encore financièrement. Euh, ça, ça se passe comment C'est quoi ton process à toi aussi bien de la sélection, tu vois, des des invités, jusqu'à la préparation euh, des questions et ouais. tout ça. Alors pour le, la sélection. Euh, franchement, sur ça, on n'a pas forcément un process. C'est juste, on essaie de, de, de travailler avec des gens qui ont un minimum de, de présence dans les réseaux en fait euh, à Madagascar. C'est-à-dire, des fois, on a des invités qui n'ont pas forcément beaucoup de followers, et c'est également c'est sympa et tout, mais c'est juste que ça, ça peut marcher un peu moins bien. Euh, quand les followers connaissent pas l'invité, quoi. Donc, euh, donc voilà pour ça. Sinon, le process, franchement, j'ai une dispute personnel dans ma tête en fait que je fais à chaque fois parce que d'un côté j'ai envie de bien tout préparer tu vois de tout regarder par rapport à la personne comme ça je connais euh, quelle année ils sont nés euh, de quelle ville tout ce qu'ils ont fait etc parce que comme ça ça te permet de poser des questions plus profondes plus intéressantes etc mais de l'autre côté je me dis limite c'est plus cool en fait que je connaisse quasiment rien et comme ça, en fait, ça me met à la place de, des gens qui vont regarder la vidéo. Parce qu'eux aussi, j'imagine, ils connaissent ce que moi je connais, tu vois, des, des informations en général. Ah, c'est un chanteur, euh, son, son mari c'est Shine, euh, elle chante telle et telle chanson, sinon euh, elle vient de Tamatave ben et sinon c'est un peu tout, tu vois. Et c'est vraiment comme ça, jusqu'ici c'est un peu plus comme ça que je fais. Euh, et je et je trouve que pour l'instant ça euh, moi ça me va pour l'instant parce que justement j'ai je peux poser des questions en fait que peut-être des gens qui regardent la vidéo eux aussi ils ont envie de poser euh, cette question là c'est pas trop avancé en fait le les les questions c'est vraiment très euh, simple et et pas forcément personnel mais euh, voilà pas pas Préparé forcément. Ok, d'accord. Ah oui, franchement, l'approche, la, elle est vraiment, euh, elle est incroyable en vrai. En vrai, j'avais pas vu ça sous, sous cet angle-là, mais c'est vrai que ça a vraiment du sens quand tu quand, quand tu l'expliques. Peut-être, euh, c'est une question du coup que ouais. je me pose, tes invités, enfin euh, vos invités, ce, à la base, euh, vous en connaissez certains, ou ce sont tous vos potes, ou euh, ou pas forcément Oui, il ouais, euh, y en a qu'on connaît. Et quand je dis qu'on connaît, c'est vraiment genre, euh, on s'est envoyé deux, trois messages sur Insta, tu vois. C'est pas des gens, normalement, c'est pas des gens qui sont des, okay. des vrais amis euh, proches qu'on connaît depuis longtemps. Il y en a peut-être un ou deux mmh. qui étaient plus comme ça, mais la majorité, c'est plutôt mmh. on se suit sur Instagram euh, et on, on s'est parlé vite fait, soit dans les commentaires en rigolant, soit un ou deux messages euh, sur Insta et, et c'est comme ça okay. en fait que et, et d'ailleurs c'est une chance qu'on a en fait qui nous qui nous met un, un pied dans la porte je sais pas si on peut dire ça en français c'est une expression en anglais en fait mm -hmm. c'est à dire ça t'ouvre en fait mm -hmm. la, la, la porte l'occasion en fait de parler parce que si on vient de nulle part et on te dit est-ce que tu mm. veux faire un podcast c'est un peu difficile, ouais. euh, on, on aura peut-être pas de réponse tu vois donc euh, c'est une ouais, chance qu'on a je confirme, ouais. ouais tu comprends <laughs> Non, <laughs> ouais, t'inquiète, okay. ça va venir aussi okay. avec le temps, tu vois. et surtout ouais. ça. Ouais, ouais, F faut être patient, faut être pas... et persévérant. Ouais. Et c'est maintenant que du coup, vous avez pu euh, discuter dans un podcast avec euh, Dinaï, c'est qui, on va dire, toi là Personne, mais vraiment, genre, tu vois, c'est le rêve, tu vois, que tu aimerais avoir. Ah, podcast. au podcast, ok. Ah, ouais. ça, c'est une bonne question aussi. Ah, ça c'est une très bonne question je dis euh, parce qu'on ne touche pas aux politiques tu vois donc je ne peux pas non plus dire à euh, André okay. parce mm -hmm. que bon ça, ça va forcément mm -hmm. parler de politique et je ne pense pas de toute façon qu'il accepterait de parler avec euh, deux mm -hmm. voisins qui n'ont qui ont rien à faire à Madagascar <laughs> ah, franchement c'est une bonne question vraiment c'est une bonne question euh, quand je pense ouais. aux gens connus à Madagascar c'est souvent des artistes parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui sont très forts et connus. Mais euh, ouais, pour l'instant, franchement, euh, ça sera peut-être du coup la prochaine étape. Genre, euh, justement, peut-être quelqu'un comme Shine ou, euh, ou euh, des autres chanteurs euh, très connus. Quoi. Ça, c'est peut-être... Euh, voilà, je dirais ça. Ouais. Et, et dis-moi, tu vois, parce qu'une fois que tu as commencé à avoir... Euh des, enfin, ce qu'on peut considérer comme des, des gros invités, tu vois, une fois que, entre guillemets, voilà, euh, t'auras fait un peu le tour parce que, bon, voilà, Madagascar, après, euh, c'est pas comme aux États-Unis, tu vois, où éventuellement, euh, voilà, t'as énormément, des, des centaines de milliers de personnes, tu vois, potentiellement, que tu peux inviter au ouais. podcast. Tu as déjà pensé à ce que tu fais oui' c'est une bonne question. Ouais, c'est vrai que j'ai déjà pensé à ça. Euh, en fait ce qui est pas mal c'est qu'on fait une par semaine maximum, donc ça c'est déjà bien, des fois c'est de les deux semaines. Donc je me dis euh, au maximum du coup ça fait genre 50 personnes par an, ça va être plutôt dans les 25-30 personnes par an je pense. Donc bon, euh, avec plus de 20 millions de gens à Madagascar, en faisant que 20-30 par an... Je pense qu'on a du, on a du marge quand même pendant encore euh, ouais. des années, quoi. <laughs> mais c'est vrai, ouais. on a aussi pensé, je pense que ça serait faisable, même dans un an, de refaire euh, des podcasts avec la même personne, tu vois, parce qu'on a un an ou deux ans, des choses euh, changent, tu vois, c'est toujours intéressant de revoir la personne. C'est comme le podcast Joe euh, Rogan, hein, je sais pas si tu suis. Euh, je Rogan, ouais. Il ouais, a souvent des ouais. invités ouais, ouais. qui reviennent et euh, c'est toujours intéressant, quoi. Mmh, ouais. D'ailleurs, toi, c'est quoi euh, tes, tes podcasts favoris, tu vois que t'aimes bien écouter Allez, peut-être à part le tien du coup quoi. Ouais. Non, mais le mien c'est même pas mon préféré. Hein. Franchement, euh, merci à ceux qui écoutent mon podcast. Mais pour moi personnellement, c'est… non, franchement, c'est, je pense, déjà, j'écoute pas énormément de podcasts non plus, mais euh, pour moi, je mmh. pense, c'est Joe Rogan parce que euh, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve que lui, il, il arrive à, à parler de tout. Déjà, ça c'est cool. Il parle vraiment de tous les sujets. Et euh, du coup, bah, comme il est très connu, il a des, des invités hyper intéressants. Et j'aime bien en fait euh, apprendre des choses sur les sujets un peu niches. Là, il y avait une autre fois, il y avait un spécialiste de l'alcool qui était invité sur son mmh. podcast. Et le mec, il avait écrit un livre comme quoi euh, l'alcool, un peu d'alcool peut être bien. Euh, sur le long terme, pour la vie, euh, et il avait cité hein, beaucoup de raisons, bien évidemment. Mais une raison, c'était parce que ça te permet à faire plus de liens avec tes collègues au boulot, et du coup, ça te permet à plus facilement monter euh, l'échelle, si tu veux, dans, dans le travail. Des choses comme ça, j'aurais jamais pensé à ça, tu vois. Et euh, je m'intéresse pas forcément ouais. à, à l'alcool, euh, enfin sans plus, tu vois. Et, mais c'était cool, <laughs> ouais. c'était un truc niche. Et il parlait avec beaucoup d'expérience de, derrière, c'était euh, fascinant, quoi. Moi, tu sais, il euh, y, y a un gars, ça c'est un, un podcaster, il s'appelle Stephen Barlet. Mmh. Euh, lui, il est basé au euh, UK. Et euh, il, il a, une fois, il a eu une discussion avec euh, une spécialiste et ils ont fait des recherches, ouais. tu vois. Et d'après les recherches que, donc, que le, la dame euh, qui est dans le monde de, de la science et de la médecine a faites avec son équipe, mmh. ils ont envoyé des personnes au gym et ils ont demandé à ces personnes de se visualiser juste en gros il s'assoit sur un sur un banc et il se visualise en train de lever des poids mm -hmm. et genre apparemment les gars genre euh, leur masse musculaire augmentée je sais pas c'est genre 20 ou 30% en Faisant ça, juste, juste en, en ouais, imaginant un truc de incroyable ouf, quand ouais. même, tu vois. Alors, ça, c'est des trucs, franchement, limite, t'as pas envie de croire que t'as pas bah envie oui. d'abuser en direct, Ouais, ouais c'est ouf. Et sans, sans écouter ce podcast, on n'aurait ouais. jamais pensé à une idée comme ça, tu vois. Ouais, ouais mais carrément, carrément. Il bon, y a un gars de nulle part, il vient, il me dit ça. Je dis, bah, vas-y, ah, vas arrête. Ouais, genre, t'as <laughs> fumé quoi, troquer, en fait, quoi toi euh, Vas-y, tu ça. vois. <laughs> c'est ouf. <laughs> Alors, Dis-moi, euh, Béton, on arrive sur, euh, sur la fin de notre discussion. Et je voulais te, te demander c'est quoi, euh, tu, ça, tu penses que c'est quoi ta, ta mission de vie euh, ça, ça serait... Ouais, franchement, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la famille, tu vois. Parce que le travail. Si moi je si moi je quitte mon travail demain, ils vont me remplacer facile, sans hésiter, genre tu vois donc euh, l'argent aussi c'est pareil hein, même si je gagne après bon si j'ai 50 millions de dollars c'est bien parce que bon c'est pour euh, mes enfants, les enfants mmh, de mes ouais. enfants etc mais ça change euh, voilà ça change pas non plus euh, franchement c'est la famille quoi parce que tu, tu peux quand même changer la vie ta vie la vie de la personne avec qui tu es la vie de tes enfants et après, ça multiplie après, tu vois, les enfants de tes enfants et leurs enfants à eux, et, et ça grandit. Et après euh, 500 ans, il y a 10 000 personnes, tu vois, que qui viennent de... Donc pour moi, c et c'est pas juste pour ça, mais c'est parce que la majorité du temps et des, des projets les plus importants de la vie viennent de ça, viennent de la famille. Donc, euh, pour, euh, pour tout ce qui est bonheur, euh, objectif dans la vie, euh, même tristesse, les moments durs, etc., ça se partage avec la famille, tu vois. Ça se partage pas avec des collègues ou avec euh, limite peut-être des amis si tu as des amis très proches, mais je veux dire, euh, c'est la famille qui est, qui est toujours là, tu vois, même si on se déteste des fois entre. Euh, entre certains membres de la famille, on, on revient toujours, tu vois. Enfin, pour moi, on, on essaie de toujours revenir et euh, c'est ça qui reste, on va dire. C'est ça la chose la plus euh, permanente. Donc la mission de vie, ça sera de, de réussir sur soi, quoi. De, de soutenir ma famille et de bien élever mes enfants. J'ai pas encore d'enfants, mais le jour que j'aurai, euh, de bien les élever pour que, eux ils puissent avoir un impact positif euh, autour d'eux, quoi. Aujourd'hui, euh ta, ta ta famille j'imagine une majorité de ta famille est encore aux, aux États-Unis ça se passe comment votre votre relation entre vous vous avez peut-être moins de temps j'imagine forcément de, de vous voir c'est pas un peu difficile ouais euh, des fois d'entretenir cette relation justement ouais, ouais des fois c'est compliqué c'est surtout en fait les moments de fête où là justement en fait je fais des travaux à la maison ça aurait été bien d'avoir mes deux frères tu vois là pour m'aider avec des, des projets en fait c'est quand tu fais un truc ou d'habitude tu l'aurais fait avec eux. C'est là où tu te rends compte, en fait, ah ouais, c'est un peu, euh, c'est difficile, quoi. Après, il y a des moments aussi où je j'apprécie, tu vois. Genre, je suis un genre ça me fait plaisir quand même que j'ai ma, ma propre vie ici et j'ai pas mes frères et sœurs et mes parents qui sont... Euh, Toujours là, en train de tout voir, tu vois. Donc, il y a quand même euh, ce côté-là mmh. aussi. Mais euh, on va dire, en fait, en général, que j'ai l'habitude, quoi. J'ai passé trois ans à Madagascar quand j'étais plus jeune. J'avais 19 ans. Et euh, là, c'était il y a deux ans, ça. Donc, euh, j'ai beaucoup voyagé. Et on va dire surtout, en fait, c'est question d'habitude. Tu as l'habitude, en fait, d'être loin, quoi. Et après, bon, on y va une ou deux fois par an. donc euh, Donc, c'est bien aussi. Bah écoute Peyton, franchement, je vais te dire merci, merci euh, de d'avoir, euh, comme on dit, euh, joué le jeu, voilà, d'avoir pris le temps de répondre vraiment aux questions et tout. Et je voulais te souhaiter vraiment euh, toute euh, bah déjà la santé, la santé, et puis euh, aussi bien à toi que à ta femme et de la réussite pour les projets futurs hein. merci beaucoup merci beaucoup Axel ouais, franchement c'était cool j'aime bien euh, j'ai ai bien aimé en fait de, de, de la conversation les moments donc euh, vas-y euh, pour toi aussi je te souhaite euh, la, la réussite pour ton podcast et les autres projets, euh, projets euh, que, que tu fais euh, continue toujours quoi un jour tu vas voir Denise aussi sur le podcast ou même plus peut-être Angela Duell il voudrait bien <laughs> venir en habiter sur ton podcast <laughs> Allez, top, merci, merci beaucoup Axel. Salut.